Great, I'm ready. Okay. Pour ce projet autour de Frédéric Legrand, j'ai essayé de faire une sélection de morceaux choisis des compositeurs qui étaient à la cour. Bien sûr, Frédéric Legrand lui-même, un concerto, une sonate de lui, mais également les pièces les plus virtuoses de Quantz, Carl-Philipp Emanuel Bach, Franz Benda, dans les concertos par exemple, mais également d'illustrer la musique de chambre et la musique pour flûte seule par des solos de Carl-Philipp Emanuel Bach, de Frédéric Legrand lui-même, de sa sœur Amalia von Preußen, et puis de Agricola, par exemple, un de ses compositeurs de la cour, un autre d'entre eux. Le choix de concerto permet de caractériser de façon très différente aussi l'écriture de chaque compositeur. Frédéric Legrand étant le roi lui-même, il est plein d'autorité, il y a une certaine pompe également, simplement dans le ton qu'il utilise, qui est très différent de celui de ses courtisans, et donc des compositeurs qui, eux, essayent et ont besoin de montrer plus que le voisin. La chapelle idéale pour moi, c'est avec Trevor Pinnock et la Kammerakademie Potsdam. C'est le Dream Team. Mais je devais réunir une équipe de compositeurs de l'histoire de la musique, oui, le vieux Bach, Mozart, puis plus tard Beethoven, certainement Stravinsky pour la musique russe, Debussy pour la musique française. Et puis l'opéra italien ne doit pas manquer non plus, donc Verdi ou Puccini, c'est important. Ça devait être une vocation pour Frédéric Legrand, jouer de la flûte. C'est quelque chose qui, je crois, il a rencontré la musique et découvert la musique comme moyen d'expression très jeune dans la famille. Sa sœur était déjà musicienne et je crois que pour lui, c'était important pour échapper à toute l'étiquette et à la partie rigide qui lui était imposée par son père finalement. Et pour s'échapper de toute cette éducation très rigide et pouvoir s'exprimer librement, la musique, et notamment la pratique de la musique sur la flûte traversière, qui était un instrument très en vogue à l'époque et où il pouvait se perfectionner auprès des plus grands maîtres, était pour lui la façon de survivre.